balobi mama mardi ne mama mardi ne balobi shop Africa Union ezo te ka nyoso biloko ya ya wanani yo kongole oligi ne ko la yo a sali sa yo te pona koria na yo moko babone la yo pona mtoto na yo moko ya ele popo babone la yo balobi bio bio Africa Union ezo te ka tuta ko na basiwa sino bolye pa ya sino bolye ani Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver face à face à un nouveau numéro, spécialement un numéro dimanche. Vous allez certainement le remarquer. Pourquoi ? Parce que généralement, on reçoit une personne, mais là, nous avons deux personnes. Alors, on va essayer d'analyser avec eux la question ou des questions politiques. Il s'agit de M. Christian Kanza. Il est juriste de formation et analyste politique. Il n'est pas seul, il est accompagné de Maître Narcisse Tchamala, qui est avocat au barreau. Avocat prêt à la cour d'appel de Kinshasa, expert en pédagogie active. Bonjour, vous allez bien? Alors, je commence par vous, c'est Maître Narcisse. Exactement. Tiens, vous êtes avocat. Très bien. Dites-nous votre, parce qu'il faut commencer directement l'actualité. Le Premier ministre finalement a démissionné après plusieurs attentes, après plusieurs débats, plusieurs discussions. Il n'allait pas démissionner. Maintenant qu'il a démissionné, c'est quoi la suite des choses? Démissionner, vouloir démissionner ou pas, il allait toujours démissionner. Ben, il a fait maintenant. Parce que c'est un poste qu'il a trouvé, il devait le laisser. Mais c'est quoi la suite des choses? C'est qu'il sera remplacé. Quand il démissionne, c'est qu'il part, il y a quelqu'un qui vient après lui. Si, mais... Pour quelle finalité, finalement, qu'est-ce que l'autre Premier ministre fera que lui ne pouvait pas le faire et qu'est-ce que l'autre ne fera pas ce que lui faisait? Très bien. Maintenant, je me réjouis de votre question qui prend de la lumière. Pépé Ilunkamba, Premier ministre honoraire de ce jour. C'est pas votre Pépé, c'est le Premier ministre Ilunkamba. Oui, nous le chérissons comme ça. Ça, c'est un titre pour le chérir. Nous l'aimons beaucoup. Vous voyez? Alors, il est parti. Au revoir à lui. Celui qui vient après lui vient avec une autre donne. Quelle est cette donne? C'est la donne d'orienter les choses selon la nouvelle ligne d'orientation. Cette ligne d'orientation qui est de la nouvelle, sinon de l'union sacrée de la nation. Donc, il va orienter ce qui a été orienté. Il va orienter ce qui n'a pas été orienté, ce qui a été désorienté. Vous dites qu'il va orienter la nouvelle vision orientée par le président. Donc, ça fait que le Premier ministre, lui, n'exécute pas la vision du président, mais il oriente plutôt. Non. La vision du président est là. Parce que vous parlez d'une vision. Il y a le porteur de la vision, d'une part, et il y a les interprètes de la vision. Quand le président de la République vient, il vient avec un programme. Mais qui oriente ces programmes? Qui exécute ces programmes? C'est le chef de gouvernement. C'est vrai qu'il y a deux verbes, orienter et exécuter, qui sont, c'est pas la même chose, mais lequel exactement? Mais les deux se retrouvent. Les deux se retrouvent dans quel sens? Lorsqu'on parle d'orienter et d'exécuter, ça ne se dissocie pas. Un, je prends un cas de figure. Il y aura un Premier ministre qui vient pour exécuter le programme d'un président de la République. Mais comment il l'exécute? C'est au travers le ministère. OK? Et quand il oriente, et il travaille selon, avec le ministère, ce sont ce ministère-là qui l'oriente, parce qu'il a compris, il a déjà reçu. Nous sommes ici dans un cas de figure. Il reçoit ce qu'il reçoit du président de la République,
et il fait exécuter, mais tout en orientant, en disant à chaque ministre, non, là, ce n'est pas ce qu'on attend. Là, il faut aller plutôt dans ce sens-là. Et pour ça, là, il oriente. Et pour ça, il faut une vision. Est-ce que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui la vision claire du président de la République? La vision claire du président de la République, mais il l'a dit. C'est quoi la vision? Il a été clair. C'est quoi? Les jours où il donnait ses cadeaux de la fin de mariage, FCC Cash, il était clair. Mais c'est quoi les cadeaux? Il a parlé des aspirations du peuple congolais. Mon peuple congolais se trouve marginalisé, oublié tout ce temps. Et le président de la République dit non, maintenant on arrête. On doit voir ce peuple se retrouver. C'est ça la vision du président. La vision du président de la République se résume en un mot. Quel est ce mot-là? Le patriotisme. Attendez, si je comprends. La vision du président, c'est le patriotisme. Exactement. Et donc le Premier ministre va exécuter le patriotisme en orientant les ministres d'être des patriotes. En les invitant d'être patriotes, ceux qui n'ont jamais été. Et c'est ça qui résoudra les problèmes économiques, les problèmes politiques, les problèmes de sécurité à l'Est. C'est le terme patriotisme. Jamais mon doigt à couper, ça va résoudre. Très bien. Le patriotisme résout tout. Parce que le patriotisme veut tout simplement dire faire les choses telles que ça devait se faire. Qu'est-ce qui devait être fait? C'est ça aussi le problème. Parce que le patriotisme, à un moment donné, c'était un concept vide et en même temps plein. Alors, c'est quoi le contenu du patriotisme dont vous nous parlez? Très bien. J'ai entendu dans votre question au départ, dites, mais c'est quoi exactement, concrètement? Mon cher frère, vous êtes congolais. Le système éducatif congolais, est-ce que les enfants étudient normalement? Je ne vois pas les liens avec le patriotisme. Non, j'arrive. Nous sommes dans le patriotisme. On a dit il faut que les choses se fassent telles que ça devait se faire. La gestion de la res publica. Quand on parle de la gestion, on gère la santé, le social, la sécurité. On gère toutes ces histoires. Le patriotisme vient faire quoi? Maintenant, le patriotisme vient quand on accepte de gérer comme ça devait être géré, c'est-à-dire dans la discipline, dans l'ordre, sachant que nous sommes redevables avec l'idée de redevabilité. Envers qui? Envers le peuple. Pas envers une tierce personne. Pas même pas envers le président de la République, mais envers le peuple. Très bien. Alors, Monsieur Christian Kanza, d'abord, vous êtes juriste de formation et vous êtes analyste politique. Dites-nous la même question aujourd'hui. Est-ce que la procédure que l'Union sacrée, finalement, a utilisé, ou que le courant politique ont utilisé pour faire tomber, finalement, le Premier ministre, est-ce que cette procédure, elle est catholique? Alors, si la procédure n'est pas catholique, cherchez une autre religion. Alors, c'est-à-dire quoi, chère question, c'est que nous avons entendu beaucoup de bruit autour de cette question. La République démocratique du Congo a le texte, la constitution et les lois qui l'organisent. Qui est celui qui dit qu'il y a des lois qui ont été violées? Quelles sont ces lois-là? Quelle était la procédure qui n'avait pas été suivie? Inverser aujourd'hui le Premier ministre, est-ce que la procédure a été suivie? La constitution prévoit dans ses textes que autrefois, pour qu'il y ait un gouvernement ou un premier ministre nommé, ce premier ministre devait sortir de la majorité. Et si cette majorité n'est pas réussie, elle devait passer par la coalition. Et après avoir passé par une coalition, il devait être nommé une personnalité, ce qui dit la constitution. Une personnalité qui devait avoir mission d'identifier la coalition. Je poserai la question à ceux qui lèvent la voix. Est-ce qu'en amont, l'informateur ou la personnalité dont parle la constitution a été nommée? Donc, si je comprends bien, vous corrigez une erreur par une autre, c'est ça? Corriger une erreur par une autre, quelle erreur d'aujourd'hui? Non, mais vous n'allez pas me poser de questions. C'est à moi de poser des questions. La question est simple. Est-ce que la procédure, je ne vous parle pas de comment ça a commencé, je parle de la procédure de l'éviction du Premier ministre, est-ce que cette procédure tient
La route. La procédure a été respectée. Comment? Comment? La Constitution prévoit l'identification de la majorité à travers la personnalité qu'on appelle l'informateur. Aujourd'hui, le président Bahati, monsieur du FCC d'ailleurs, qui aujourd'hui qui a été informateur. Non, il n'est plus du FCC, il a quitté le FCC depuis très longtemps. Je vous rappelle qu'il n'a pas quitté le FCC. Si, il a quitté le FCC. Monsieur Bahati est de l'FCC. Rappelez-vous, autrefois, lorsqu'il a passé une interview, il a reconnu étant du FCC, il a même dit à leur autorité morale que il y a déjà des bruits qui tournent autour de moi, nous avons ça pas eu de problème. Son problème était la présidence au Sénat. Mais je ne vois pas jusque-là M. Bahati en train de quitter le FCC. Alors, vous dites ça parce que ça vous arrange, mais en tout cas, moi je vous donne des informations claires et nettes. Monsieur Bahati n'est plus du FCC, c'est depuis très longtemps. Il a pris ses distances, marginalisé du FCC, il était parti. Mais si vous voulez continuer à croire qu'il est toujours du FCC, si ça vous arrange, eh bien on y va, on continue. Mais ma question, c'est la procédure. Ma question, ce n'est pas la nomination d'un informateur, c'est plutôt comment il est arrivé à tomber. Est-ce que le bureau d'âge était un bureau compétent pour entendre le Premier ministre? Peut-être que j'explicite bien la question, mais c'est celle-là. La procédure, c'est celle-là. Alors, cher Christian, dire que c'est une opinion, en fait, c'est une chose qui nous arrange et dire qu'il est de l'UFCC, ça c'est votre opinion. D'accord. Que je respecte également. Ouais. Alors, moi je dis, sur la question de bureau d'âge, nous avons entendu des voix qui se sont soulevées en brandissant l'article 12 du règlement de l'intérieur de l'Assemblée nationale, en brandissant aussi l'article 114, si je ne m'abuse pas, de la Constitution, pour dire que la procédure n'avait pas été respectée. Écoutez, question. Alors, la Constitution était claire sur ce point-là. Le bureau provisoire, tel qu'inscrit dans la Constitution parle après l'élection du président de la République. Nous sommes au début de la législature. Après l'élection du président de la République, après l'installation de l'Assemblée nationale, il faudrait qu'il y ait une présidence. Et cette présidence, qui en principe doit être le bureau définitif, devait être installée par un bureau provisoire. C'est là la procédure. Mais nous sommes dans une situation assez particulière. Pourquoi je le dis? Nous sommes dans une situation où l'intervention du bureau, de ces bureaux d'âge, est venu au cours de la législature. Voyez-vous? Nous devons tenir compte de tout ça. C'est devenu autour. C'est un cas assez spécial. Pour ce cas spécial, comme nous avons dit, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, pour parler de la procédure, le fait que nous avons fait appel à la Cour constitutionnelle pour interprétation de cette situation et que la Cour constitutionnelle a donné sa position, a donné des attributions à ce bureau d'âge d'expédier des affaires courantes concernant l'Assemblée nationale, je crois qu'il n'y a plus débat. Non, mais est-ce que le contrôle parlementaire, c'est assurer les affaires courantes? Est-ce que le contrôle parlementaire, c'est assurer les affaires courantes? Je poserai la question, qu'est-ce que l'entend par le contrôle parlementaire en ce moment-là? Ben, c'est à vous de répondre, toujours. Posez-vous des questions et répondez. Non. Mais moi, ma question, elle est celle-là. Est-ce que le contrôle parlementaire, est-ce que c'est ça que ça veut dire, assurer les affaires courantes? Si vous nous dites oui, bon, vous êtes le paternel de votre réponse, on passe. Alors, autre chose, la communauté scientifique, on vous écoute, le peuple vous écoute, et puis nous, on passe. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que assurer les affaires courantes veut dire contrôler le Parlement, contrôler le gouvernement? Cher Bosque, nous sommes devant l'opinion, les gens doivent retenir quelque chose de nous. Poser cette question d'une manière telle que vous l'avez précisé, je dirais simplement, le fait que la Cour constitutionnelle donne la compétence au bureau d'âge d'expédier des affaires courantes et que dans ces affaires, il s'est figuré la situation de la motion de censure, ça entre dans le cadre des affaires courantes. Donc vous comprenez ça comme ça ou c'est ce que dit la loi? Est-ce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle donne la possibilité au président du bureau d'âge de contrôler un gouvernement et surtout d'entendre même un gouvernement, de pouvoir l'entendre? Merci pour cette question. Rappelez-vous, le président Mbosso, sage qu'il est, je félicite l'anglais, il était clair
avant d'entamer la procédure de l'élection, il est passé par un débat, il a ouvert un débat, il a expliqué que le gouvernement ne venait pas répondre devant les bureaux d'âge. Le gouvernement, ou le Premier ministre, devait répondre devant les élus qui représentent l'État, qui représentent le peuple congolais. Si c'est là la question, il a été clair. Les députés représentent la nation. Justement, j'ai répondu. Oui. Justement. Donc vous pensez que la procédure était respectée, on comprend comme ça. J'ai répondu en disant que le Premier ministre devait répondre devant les élus. Oui, ok. Et puis à la suite... On ne devait pas s'approcher sur le bureau d'âge, oui. Sinon on comprend déjà ce qui arrive. La position des autres. Et la suite de tout, le premier ministre finalement a compris qu'il fallait qu'il démissionne, et finalement il a démissionné. Donc on aura un autre gouvernement. Comment ça va se passer avec, d'un côté, l'Union sacrée, de l'autre côté, la volonté du président de la République? Comment ça va devoir se passer? Comment faire une intercession entre la volonté de ses députés, l'Union sacrée, et la volonté du président? Comment ça va se passer? La volonté des députés, l'Union sacrée, et la volonté du président de la République. Le président de la République présente l'Union sacrée comme une vision. Le président de la République, on ne peut pas les dissocier la volonté du président de la République à l'Union sacrée. Puisque c'est lui qui présente l'Union sacrée et nos élus ont adhéré à cette union. Je ne vois pas pourquoi ils vont disséquer. Simplement, les élus, maintenant que le gouvernement va se mettre en place, ce gouvernement respectera les lois de la République et les principes établis. Okay. Chaque ministre à son niveau respectera ses attributions. Très bien. Telles que dictées par la loi. Alors, Maître Narcisse, comment ça va se passer la gestion des cahiers des charges? Parce que vous avez les transfuges du FCC qui ont besoin de contrôler un certain nombre de ministères. Vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez Moïse Katumbi, vous avez Bati Lukobe lui-même. Alors, un vrai débat se trouve autour de ces questions, de gérer les ambitions. Comment ça va se passer? Chers journalistes, j'aime bien votre nom, Christian Vossembe. Ça commence à devenir beaucoup. Hein. J'ai un ami qui m'accompagne, Christian encore. Mais je vais dire, avant de répondre à votre question, je reviens sur un détail très important. Allez-y. Nous devons nous poser finalement la question. Qui a éjecté Ilunkamba? Je vois l'opinion charger les bureaux Mbosso. Mais ce n'est pas ces bureaux-là qui a éjecté Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Jusqu'à preuve du contraire, on me donne des preuves que c'est ces bureaux-là d'âge qu'il a fait partie. Non. Ilunkamba est parti parce que le peuple l'a désavoué. Tout simplement. Non, mais quel peuple? Très bien. Dites l'Assemblée nationale. Les représentants du peuple. Oui. Mais quand quelqu'un me représente, il pose les actes à mon nom. Non, sinon on a les désavoués. Et si je suis contre, il pose les actes. Je suis contre, j'ai réagi. Depuis que mes représentants qui sont au palais du peuple, le représentant de mon peuple qui est en train de me suivre, qui sont au parlement, ont posé cet acte-là. Vous avez entendu le soulèvement? Nulle part. Même chez lui, même dans son village natal, il n'y a pas eu de problème. Tout est calme. Ça veut dire, maintenant, le peuple se retrouve. Ça, c'est vrai. Donc, le peuple avait besoin du départ de Ilunkamba? Oui. D'accord. À moins qu'on me dise le contraire, nous pouvons mettre le micro baladeur partout dans toutes les avenues à Kinshasa comme à l'arrière-pays. Ils vont vous dire que c'est ce qu'on attendait. D'accord. Comme c'est arrivé. Donc, il ne faut pas charger les bureaux Mbosso parce que ce n'est pas ce bureau-là qui a fait partir Ilunkamba, c'est la plénière. Mais aucun bureau ne fait partir un ministre ou un député. Oui, parce que tout à l'heure, la question, votre question tout à l'heure était, est-ce que la procédure était respectée? Est-ce que les bureaux devait. Non, pas du tout. Est-ce qu'il s'est présenté devant le bureau? Parce qu'il va toujours se présenter devant le bureau. Il était devant la plénière. Ouais, mais il n'était pas là, malheureusement. Or, la plénière, oui, il ne s'est pas présenté. Il savait, dans mon village, on dit, si vous voyez qu'un chien commence à fouiller la poubelle, c'est qu'il a déjà laissé la saleté là-bas. Il ne pouvait pas revenir. Il ne pouvait pas revenir dans ces conditions-là. Parce qu'il savait ce qu'il avait déjà fait. Mais Mabunda savait aussi qu'elle allait tomber, elle est arrivée quand même. Hein? Mabunda? Oui. Non! Mais Mabunda était venu, mon cher Bossembe, il faut dire certaines choses que ça se présente. L'arrivée de Mabunda
C'était quelqu'un qui est sur le vélo, qui tombe, qui regarde à gauche, à droite et commence à rire. Alors qu'il a honte. C'était ça. Mais je reviens ici. J'ai noté quelque chose. Le premier ministre honoraire, le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, jusqu'au moment où il partait, il n'avait pas encore compris qu'il devait partir. Comme vous l'avez souligné ici, il a compris, il est parti. Non, même quand il est parti là, il n'a toujours pas compris. Parce que le peuple t'appelle. Viens écouter ce que nous avons à te dire ici. Toi, tu voyages pour dire, je vais d'abord poser la question à mon autorité morale. Il n'avait pas compris. Mais pourquoi il a démissionné? Sa démission, c'est une conséquence de ce qui s'est trouvé devant un béton armé. Le peuple. Ok. Se retrouvant devant le béton armé, il s'est dit, donc, les carottes sont cuites. Il faut que j'ai plus bagage. C'est juste ça. Et maintenant, allons-y lentement. Je ramasse aussi la question de Bahati. Vous avez souligné ici que Bahati n'est pas du FCC. Mais il est de quel regroupement alors? Le FCC n'est pas un regroupement, bon sang. On dit quoi? Mais dans cette famille-là, dans ces limbouglions-là qu'on a appelé FCC, et puis ça sonne bien. FCC, ça sonne très bien. Moi, j'aurais voulu qu'on accouche une famille, un bébé qu'on donnerait le nom de FCC. Mais malheureusement, on a donné le nom avant d'accoucher. Mais le professeur Bahati est du FCC. Ok, vous le confirmez. Très bien. Passons à une autre étape. La question que je vous ai posée, vous n'avez pas répondu. Allez-y, reposez la question. J'ai toutes les réponses. Moi, je ne m'arrête pas si vous ne m'arrêtez pas. Comment ça va se gérer les cahiers des charges? Cahiers des charges. Il y a quelles charges dedans, dans ce cahier-là? Parce que moi, je ne les ai pas vues. Vous parlez de la gestion ministérielle? Cahiers des charges, généralement, ce sont les ambitions. Les ambitions de gestion. Il n'est pas interdit à quelqu'un d'avoir des ambitions. Même vous, les journalistes, Christian Bossembe, tout de suite, on t'appelle, on dit, viens adhérer à l'Union Sacrée. Tu auras toujours des ambitions. Mais, qu'est-ce qui est mauvais? C'est d'avoir les ambitions démesurées. On n'adhère pas à l'Union Sacrée de la Nation pour aller revendiquer des postes, pour aller revendiquer, non que je me trouve sur la liste de ministrables. Et on adhère pourquoi? On adhère parce que nous devons d'abord faire l'unité. Dans l'unité, on accepte même de manquer pour que l'autre puisse avoir. Vous savez... Maintenant, allons-y. Je reste dans le cahier de charges. Qui a mené le cahier de charges? Et ceux qui ont amené le cahier de charge, qu'est-ce qu'ils n'ont jamais eu dans ce pays? Est-ce qu'on est en train de dire la même chose ou on est en train de dire ce qui se passe maintenant? Parce que l'Union sacrée, ça veut dire un ensemble de plusieurs ambitions politiques, de plusieurs partis politiques. C'est des gens qui ont quitté les coins et d'autres, ben, ils viennent assister, si vous voulez, accompagner le président de la République dans sa mission. Mais pour ça, il faut bien partager les portefeuilles. Parce que le bilan, après, il y a des gens qui vont assumer des bilans. Mais s'ils n'ont pas travaillé, comment voulez-vous qu'ils ont été absents dans la gestion? Ils seront présents dans le bilan. Ça veut dire quoi, cette histoire? Je vais rentrer dans votre question. Vous avez dit plusieurs partis politiques qui viennent accompagner le président de la République. Quand on accompagne quelqu'un, c'est celui qu'on accompagne qui connaît le chemin, la destination où on va, ou ce sont les accompagnateurs? On ne parle pas du chemin ici, on parle de la vision. La vision, c'est le président de la République, mais dans la gestion, ce n'est pas toujours lui. Exactement. Mais vous avez dit, il y a plusieurs partis politiques qui viennent accompagner. Mais restons dans ce verbe-là, accompagner. Oui, accompagner. Vous accompagnez en vous imposant? Non, mais on accompagne en partageant les responsabilités. Ok. Mais justement. Mais partager n'est pas réclamer, n'est pas forcément s'imposer. Non, mais on est les ambitions, manifestez-le. Maintenant, il a parti. D'ailleurs, moi, je suis de ceux qui pensent que maintenant, le gouvernement à venir, qui va être publié très bientôt là, parce que le premier ministre sera nommé très bientôt là, ce gouvernement-là ne devrait pas être l'émanation des politiques.
Il faut, cette fois-ci, que l'on prenne un peu le scientifique. Parce que si nous allons retrouver la même personne qui vient avec le cahier de charge, alors nous allons nous dire qu'il n'y a plus rien de changé. Ah, donc pour la création de l'Union sacrée, vous avez besoin d'eux. Oui. Maintenant, pour la gestion, vous les excluez et vous amenez les... Ils ne sont pas exclus. Vous les excluez de la gestion. Je vais vous démontrer. Ils ne sont pas exclus de la gestion. Oh, d'accord. Il ne faut pas dire que vous êtes exclus de la gestion parce que vous n'êtes pas sur le terrain. Non. Je te prends l'exemple. Il y a les léopards qui sont au Cameroun. Vous n'allez pas me dire que ceux qui ne sont pas sur le terrain n'ont pas participé au CHAN. Non. Ils sont là. Non, ils sont là. L'exemple n'est pas celui-là, malheureusement. Je vous dis, je pose un exemple. Je prends un cas de figure. Allons-y. Qu'est-ce que vous allez donner à Jean-Pierre Bemba, par exemple, à Moïse Katumbi, pour les impliquer dans la gestion? Qu'est-ce que vous allez leur donner? Pour ceux qui vont être là en applaudissant, vous prenez d'autres personnes, d'autres membres de l'Union sacrée, qui vont aller faire des choses. Et puis, et à la fin, en 2023, on va leur dire, vous avez appartenu à l'Union sacrée, donc ne venez pas nous dire, c'est ça, vous voulez dire. Christian Bossembe, il faut faire la différence entre l'Union sacrée et les gouvernements de la République. Mais le gouvernement de la République vient de l'Union sacrée et viendra obligatoirement de l'Union sacrée. Déjà, en disant ça, tu m'appuies en disant on doit faire la différence entre les deux. Non, mais comment vous allez faire la différence entre la mère et la poule? Ou entre la poule et l'œuf? Très bien. Alors, on arrive. Ben alors. La poule marche. L'œuf ne marche pas. Mais avant que la poule ne marche, elle est venue de l'œuf. Très bien. Oui. Maintenant, j'y rentre. Qu'est-ce que vous allez donner à Jean-Pierre Bemba? Oui. Qu'est-ce que vous allez donner à Moïse Katumbi? Quelles sont les compétences de Jean-Pierre Bemba? Et quelles sont les compétences de Moïse Katumbi? Nous sortons dans la route. Parce que vous avez besoin de leurs députés pour avoir l'Union sacrée. Non. Mais attendez 10 secondes. Écoutez. J'arrive. Il faut qu'on comprenne ce qu'on dit. Vous avez dit qu'est-ce que vous allez donner à Jean-Pierre Bemba? Justement. Et quand j'ai dit Jean-Pierre Bemba, c'est son parti. Katumbi. C'est son parti. Oui. Le parti. Exactement. Oui. Maintenant, moi aussi, j'ai pas. Moi, je reste sur tes mots. Oui. Tu avais cité Jean-Pierre Bemba, je suis allé sur Jean-Pierre Bemba. Maintenant, tu parles de leurs députés. Je reviens à leurs députés. Quelles sont les compétences qu'il y a là-bas? Voyez, nous n'avons pas besoin de parler d'individus, mais des compétences. Là, nous sommes arrivés au même point. Nous regardons dans l'ensemble de Moïse Katumbi-Tchapwe, dans le MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo, tout comme dans d'autres partis. Parce que quand vous insistez que sur Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, c'est comme si l'ensemble, l'union sacrée de la nation n'est constituée que de Ensemble et de MLC. Mais vous savez qu'il n'y a que quatre acteurs majeurs dans l'union sacrée. Il y a Jean-Pierre Bemba. Ah bon? Il y a, bien sûr, vous le savez très bien. Il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Moïse Katumbi, il y a Bati Lukobo, puis il y a les membres du FCC. Il n'y a que ces quatre acteurs principaux. Et le FCC est dirigé par qui? Parce que ici vous avez cité les noms des personnes. Non, le quatrième, là, je ne vois pas les noms. Non, vous citez le FCC. Non, mais c'est des dissidents, vous le savez. Le FCC n'avait qu'un seul père. C'est alors, vous voyez qui que n'est pas chez vous. L'ensemble que vous êtes en train de former, c'est un ensemble incompatible parce que vous avez cité trois noms des personnes, vous avez ciblé des personnes, et le quatrième, vous n'avez pas ciblé. Non, dites-moi. Dites-moi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ma question? Non, dites-moi d'abord. Pour le FCC, là, vous citez quel nom? Mais je vous ai dit ici que c'est un ensemble qui n'a pas de père. Ah, merci. Mais je vous ai expliqué ici. Très bien. Cet ensemble n'a pas de père. C'est pourquoi cet ensemble-là pour père Félix Tshisekedi aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis on a besoin des compétences et non des colorations politiques. Très bien. Vous savez, il faut qu'on arrive à un moment. Ou on laisse d'abord cette histoire de coloration politique à côté, on sert à l'intérêt supérieur de la nation, tant vanté dans ce pays. Les enfants connaissent l'intérêt supérieur de la nation, mais quand vous êtes à la gestion, autorité morale. Alors, je voudrais demander à Christian et à M. Narcisse, est-ce qu'on peut descendre sur terre, s'il vous plaît? Oui. Faisons pas la politique fiction, restons dans les faits, et c'est très important pour nous. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne vous pose pas de questions comme si vous étiez membre de l'Union sacrée. Vous êtes dans la liste, donc on analyse ensemble, bien sûr. Comment ça va se passer, encore une fois, la gestion des responsabilités? Tous ces gens, que ce soit les membres du FCC, ils ne sont pas venus vous accompagner parce que Félix Tshisekedi est béton ou volcan.
Ils ne sont pas venus accompagner Félix Tshisekedi parce qu'il est président de la République. Ils sont là parce qu'ils veulent assister, participer à la renaissance d'un pays, entre guillemets, selon ce qu'ils ont dit. Participer à la construction. Alors, la grande question est de savoir qui va s'occuper de la fondation, qui va mettre les fenêtres, qui mettra la porte pour qu'à la fin, on dise cette maison a été construite par telle personne, par tel type de personne. Parce que si les gens ne sont pas associés à la gestion, eh bien, ils ne seront pas associés au bilan, de toutes les façons. Très belle question. Alors, je vous ai suivi dans votre échange. Je crois que vous avez déjà donné des réponses à cette question. Vous êtes parti de démontrer le quatre forces qui font partie, qui constituent l'Union sacrée. Vous êtes revenu encore pour démontrer que donc, ce que vous avez à énumérer, le MLC, l'ensemble, l'AFDC, le FCC, que tout ce monde-là avec un seul père, c'est le président Félix Tshisekedi, en termes de l'Union sacrée. Vous l'avez affirmé. Je suis déjà d'accord. Je suis très content pour répondre à cette question. Étant père, maintenant, puisque nous devons commencer pour assumer tous les bilans, ça veut dire que dans ces regroupements-là, puisqu'ils forment tous, nous sommes dans une aspiration où c'est une action commune pour l'intérêt de la République. C'est en fait cette aspiration que je vois. Une action commune pour l'intérêt de la République. Alors, au nom de l'action commune, au nom de la République, je ne vois pas, lorsque nous formons tous un ensemble et que nous avons un seul père, et que ce père qui a la capacité de voir qui peut faire quoi dans cette responsabilité-là, que nous puissions passer à côté. Je crois que les choses se passeront de la manière suivante. Le président de la République a cette liberté de choisir qui est compétent dans tel secteur. Quel que soit que l'individu, ou peu importe où sortira cet individu, d'ensemble, MLC, AFDC, puisque nous sommes en politique, le plus important, c'est l'intérêt de la nation. Il a cette liberté-là. À ce moment-là, je peux même soutenir la proposition de l'honorable Élisée Ntamboué. Autrefois, je l'ai suivi, je crois que c'était oui. L'autre fois, je l'ai suivi, il a dit pour lui, pour le nouveau gouvernement, pour la gestion prochaine, il souhaiterait que le président de la République passe par des services pour pouvoir nommer des personnes. Puisque si nous devons aller dans le sens des politiques, comme l'a dit Maître Narcisse, nous allons créer ce qu'on appelle, nous allons créer un cercle vicieux, nous risquons de revenir. Pour lui, je soutiens en fait sa proposition, que l'on passe par les services. Nous prenons la DGM, nous prenons nous prenons les autres services, là, que nous récoltions d'abord les ambitions de chaque côté, et que sinon l'on soit distribué par les services, et que ces services analysent et donnent leur avis, et en ce moment-là, les noms qui reviendront dans chaque service seront peut-être le premier nom à mettre de côté pour pouvoir étudier. Voilà un peu. C'est au moins cette méthode-là, c'est cette méthode-là que nous pouvons dépasser nos émotions, nous pouvons dépasser notre esprit. Et donc la question de poids politique ne sera pas prise en compte, on dirait. La question de poids politique ne sera pas prise en compte. Je dirais à cette question, la question, le poids politique sera pris en compte dans le sens où j'ai mes fils, j'ai mes collaborateurs qui sont là. Bon, si les ambitions proviennent d'ensemble, je sais que les ambitions proviennent d'ensemble, les ambitions sortiront du MLC. Ces noms-là, justement, ces personnes-là, ces noms-là peuvent être repris par le président de la République et justement des versions au niveau des services pour l'étude dont nous avons eu à évoquer ici présent. Telle était la proposition de l'honorable. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est raisonnable. Parce que vous avez fait une affirmation que j'ai suivie dans votre chaîne. Monsieur le président de la République, si vous m'entendez, ne remettez pas le ministère régalien. Vous l'avez dit vous-même. Ça, c'est votre proposition. Là, c'est Christian qui analyse. Ici, c'est Christian qui pose des questions. C'est bien des choses différentes. Il n'y a pas de problème. Christian qui analyse reste congolais, comprend la scène politique et dans ça. Je ne peux pas les dissocier. D'accord. Je suis avec vous et j'échange avec vous. Vous avez donné votre avis concernant cette question dont vous posez aujourd'hui. Et moi, je partage l'avis
soutenant la proposition d'un monsieur que je trouvais que c'est une proposition. Alors, vous parlez de l'honorable Eliezer. Vous le voyez ministrable? Je reviens. Le président de la République a la liberté de faire un choix. S'il juge que l'honorable Eliezer Tambo est ministrable, il a cette liberté-là. Pensez-vous qu'il a les compétences? Je reprends. Je n'ai pas, je ne suis pas disposé, je ne suis pas en bonne position à répondre à cette question dans le sens où c'est au chef de l'État de juger la compétence ou les compétences qui seront déversées. Très bien. Alors, on va terminer avec vous, Maître Narcisse. Là, vous balayez la même question. Comment ça va? Quel type de gouvernement devons-nous avoir plus tard? La taille, la qualité, l'âge moyen, les genres. Voilà, et puis on termine par là. Cher Christian Bossembe, vous savez que ce n'est pas à force de donner une forte dose de médicaments qu'on amène un malade à la guérison. Mais c'est plutôt la qualité et la dose qu'il faut qui amène vers la guérison. La taille du gouvernement, non. On n'a pas besoin d'un gouvernement de 500 membres comme votre question de tout à l'heure sur ces députés-là sont venus, ils ne vont pas seulement nous applaudir. Non, non, on ne va pas faire de tous ces députés des ministres, sinon il y aura aussi tous les sénateurs, des ministres, tous les députés provinciaux. Non. Dans ce pays, si nous parvenons à mettre sur pied un gouvernement de 45 membres ici, même de 30, il suffit. Mais le problème, c'est quoi? Avoir dans sa tête l'idée de l'action commune pour l'intérêt de la République et non pas pour l'intérêt des individus. Et les genres, combien de femmes, combien d'hommes, le terme pourcentage? Ça dépend des compétences. C'est un problème de compétences. En matière de compétences, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de quota, on ne va pas dire que... Non, ces histoires-là, tout ça c'est de la super chérie. On ne doit pas s'appuyer sur ce genre de choses. On doit tout simplement aller vers les compétences. Critères de sélection, compétences. C'est tout. Et l'âge, même chose, vous ne voyez pas l'importance d'âge, par exemple? J'arrive, ça, maintenant, vous avez posé une question très importante. Mais avant de répondre à cette question, pour que je n'oublie pas, je reviens. Eliezer Tambwe Poshi. Je n'ai pas dit Eliezer Tambwe Mwamba. Eliezer Tambwe Poche a des compétences pour se retrouver sur la liste de ministrables, oui ou non? Je réponds par O-U-I, à haute voix. À haute voix. Alors. Il remplit beaucoup de critères, il a beaucoup de compétences que... Oui, bon, alors c'est vous qui êtes le père de la comparaison, moi je ne sais pas du tout. Alors, parce que vous n'allez pas... Sinon, vous allez nous donner les compétences si vous voulez, mais moi, d'abord, je parle d'un terme d'âge. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait avoir un premier ministre qui aura 40 ans, 45 ans, 50 ans? Ou vous dites, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de compétences. Est-ce qu'au niveau des jeunes, vous pensez qu'il faut avoir un ministre de 29 ans, 28 ans, 27 ans, 30, 40, 50? Ou c'est une question simplement de compétences? Qu'il soit vieux, jeune, s'il est compétent, on les prend. On ira avec les compétences et puisque, en droit, l'exception confirme la règle, cette fois-ci, on peut aller avec un premier ministre trop jeune que tous ceux qui sont passés. Quel âge? Parce que... environ? Parce que de tout le vieux premier ministre que moi j'ai connu, il y a que Antoine Gizengafundi qui s'est assumé. Celui qu'on a eu le dernier ne savait pas s'assumer. À tout moment, il criait au secours de l'autorité morale. Tout ce qu'il devait faire, il disait, on va d'abord consulter. On va d'abord consulter. Il ne savait pas s'assumer. Vous ne comparez pas Gizenga et Ilukamba. Ilukamba avait un patron politique, alors que Gizenga, c'était le patron politique. C'est deux choses différentes. Gizenga ne pouvait pas se référer à qui que ce soit. Non, cher Christian. Mais le premier ministre. Non, a été proposé dans le cadre d'une alliance. Et vous le savez. Le poste de premier ministre, ce n'est pas un poste de l'entreprise
d'une famille politique. Et là, il n'y a pas de patron. Vous faites exprès. Ici, on est premier ministre. Mais vous faites exprès. Vous savez qu'il a été présenté. C'est simple comme de l'eau de la source. Il a été présenté. La politique, on doit faire la politique autrement, Christian. Oui. Oui. On doit faire la politique autrement. Et non pas la politique des autorités morales. Non, là, vous dites. S'il y a des autorités morales, laisse-moi t'affirmer ceci. S'il y a des autorités morales, il y a aussi des chefs des autorités morales. Alors, ça, le peuple. Vous dites autre chose. Moi, je ne suis pas. C'est pourquoi je dis, par rapport à l'âge. Si vous comparez. Par rapport à l'âge du gouvernement. Oui. Par rapport à l'âge du gouvernement. Revenons là. Mais on a besoin de rajeunir la classe politique. Sinon, fermons les universités. Mmh. Fermons les universités. Tous ces jeunes qui terminent là, ils sont utiles à quoi? À jouer au DV loterie et s'en aller? C'est pourquoi il y a maintenant plein de cybercafés, DV loterie, venez. Et puis quand ils vont là-bas, ils vont aller, on va aller les enlever, les organes dans les corps pour vendre aux autres? Non, non, non. Qu'on rajeunisse la classe politique pour rajeunir aussi la classe professionnelle. Parce que la vérité est qu'on ne va pas puiser tous ces jeunes-là et les mettre comme des acteurs politiques. Mais si on rajeunit, il y a aussi possibilité de rajeunir la classe sociale et professionnelle. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à dire? On termine par là. Ce que je veux peut-être à dire, mettre au mot l'accent sur ce que vous avez évoqué. Je me pose la question à nous savoir pourquoi vous évoquez la question d'âge. Quand est-ce que la question d'âge viendra changer les choses pour ce nouveau gouvernement? C'est là la question que je me pose. Oui, parler de pourcentage en termes de sexe ou de genre, c'est une question qui ne peut être évoquée parce que la Constitution parle d'adhésion aux droits internationaux et tout. Pourquoi vous évoquez l'âge? Si vous me dites ça, je me poserai beaucoup de questions. Parce que ce n'est pas moi qui parle de la question d'âge, c'est la charte de l'Union africaine qui parle d'âge, c'est la charte universelle des droits de l'homme qui parle d'âge, c'est tous les gouvernements du monde qui parlent d'âge. Il y a des ministres américains qui ont 28 ans, Joseph Kabila était arrivé au pouvoir, il avait 29 ans, Thomas Sankara avait 27 ans, Kadhafi avait 27 ans, Hitler avait 19 ans. C'est une question d'âge, mais qui, finalement, n'inhibe pas la question des compétences. Donc, je ne vois pas la contradiction. Non, c'est là où moi je... Mon intervention, c'est pourquoi vous dites, est-ce qu'on tiendra compte de l'âge? C'est là où, mais pourquoi vous mettez l'accent sur ça? Le plus important, comme nous avons dit, le plus important, nous avons parlé de la compétence. Si au niveau de la jeunesse, que vous et moi, Moi, je ne sais pas si je suis encore jeune, je crois que je suis plus là-bas. Si vous vous sentez bien dedans, mais merci, allez-y. De toutes les façons, vous connaissez la définition de la jeunesse. C'est vous qui voyez. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, je disais, vous et moi, étant jeunes, si Christian Kanda se voit compétent, et si aussi il est vu par rapport à l'ensemble, par rapport à l'Union sacrée, pourquoi pas? Si Christian Bossembe a attiré ou séduit la volonté du chef. Pourquoi? Moi, je trouve que cette question, surtout dans notre pays, ne vont plus mettre trop l'accent, bien que l'ANDC a adhéré à toutes ces chartes-là. Moi, je dis qu'aujourd'hui, avec déjà l'expérience que nous avons, avec tout ce que nous avons vu en termes d'âge, c'est que ça nous a produit, misons cette fois-ci pour la compétence. Merci beaucoup Christian Kanza, merci également, vous êtes, je rappelle que vous êtes juriste de formation et vous êtes analyste politique, merci également à vous Narcisse Tchamala, vous êtes avocat, vous êtes avocat après la cour d'appel et expert, après la cour d'appel de Matete ou de Kinshasa, Gombe, très bien, et vous êtes expert en pédagogie active, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui, je vous retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine. Portez-vous bien, qu'elle a peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Salut, je m'appelle Blanchard Ngbanzo, je suis Congolais vivant ici en Angleterre et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire ça vous prend vos affaires du point
A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, les véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi de cartons spéciaux et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le sea freight, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air freight, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le road freight, le routier. Quoi. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts, Blanco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle Double Wall. Et que là, nous avons ces 40 cm x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez including, donc la douane, le transport est inclus. Blanco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Loye Bolonde Nelali Sangha.